Les dernières rencontres des quarts de finale de la CAN Total Égypte 2019 se sont jouées hier jeudi. L'Algérie et la Tunisie ont réussi leur qualification en demi-finale, tour à tour devant la Côte d'Ivoire et Madagascar. La première qualification a été plus difficile pour les Algériens qui ont eu de la peine devant la Côte d'Ivoire, manquant d'initiative dans l'expression du jeu. Les Fenech ont même raté un pénalty à la reprise. Un but partout au temps réglementaire, la différence est faite à l'étape fatidique des tirs au but, 4 buts à 3. Les Aigles de Carthage et les Baréas de Madagascar ont livré un match tactique qui a tourné en faveur des Tunisiens. Les Poulains de Alain Giresse ont été plus réalistes, marquant 3 buts dans les bois gardés par Melvin Adrien. L'expérience a donc joué du côté des Tunisiens. Quant aux Malgaches, la belle aventure s'est arrêtée là. Cependant, leur première participation à la CAN a laissé une très bonne impression sur le plan du collectif, de la rigueur et de la vivacité du jeu offensif.